comme jamais, nous serions au départ du monde, comme ce qu'on a dit, c'est bien, c'est le roi. Voici M. le Président de la République, si vous permettez, je vais continuer. Compte tenu de la présence de nos partenaires avec nous, donc j'invite tout le monde à se réunir quelques minutes autour de nous pour célébrer cet instant important et ce moment important. Donc, je suis très heureux et très fier de présenter aujourd'hui les nouvelles installations de la société Tizi. C'est un projet qui nous a tenu à cœur depuis très longtemps. C'est un projet que nous avons voulu pour tous les Mekmassis. Et de par là, je remercie toutes les personnes qui ont concouru à la réalisation de ce projet. D'abord nos partenaires de la centrale automobile chérifienne que je salue et que je vous demande d'applaudir. En l'occurrence, la présence qui nous fait chaud au cœur du président directeur général de la centrale automobile, que je voudrais bien qu'il vienne à mes côtés, M. Victor Elbaz, et que M. Elbaz, vous êtes demandé à la tribune. Voilà, c'est Alain Legelot, directeur général. Voilà, donc c'est un moment très important dans l'histoire de la société Tizi. Nous sommes arrivés à un groupe très important. Au-delà des marques que nous représentons, il y a surtout les hommes et les femmes auxquels nous croyons aujourd'hui. L'importateur des marques Volkswagen a fait un travail incroyable ces dernières années. D'abord en ressources humaines, ils ont su rapatrier donc de très hautes compétences. Ensuite les installations qui sont en normes. Des concessions allemandes dans le monde, et c'est un petit peu le schéma que nous avons reproduit un petit peu à notre niveau ici à Metz. Nous avons commencé d'abord par une mise à niveau, une formation de tout le personnel au niveau commercial, administratif et technique, et ensuite une mise à niveau des installations. Donc nous croyons très fort aux hommes, nous croyons très fort aux compétences des dames, et c'est nous tous, avec le premier constructeur mondial, avec cet importateur, donc compétent et performant, et les nouvelles installations que nous entrevoyons, Inch'Allah, un avenir, et avec vous, justement, un avenir, Inch'Allah, florissant pour les prochaines années de la société Tizi. Donc merci beaucoup d'être là. Je voudrais plutôt que ce soit une fête, que ce soit un long discours. Je vais peut-être demander à M. Elbaz de nous donner un petit mot, ainsi qu'à CERN. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis vraiment très très heureux ce soir d'être parmi vous et de voir ce que tu as accompli. Pas seulement toi, mais vraiment nous, tous ensemble, et tous les autres concessionnaires qui sont ici aujourd'hui avec moi. Je crois que nous sommes partenaires depuis très longtemps. Hein? Et depuis très très longtemps, je vous dis à toi, à Karim, à tout le monde, vous devez nous suivre. Nous avons la chance d'avoir des marques exceptionnelles. Exceptionnelles, je peux le dire. Et ce que nous avons besoin juste, c'est d'avoir des gens exceptionnels. Et grâce à tous les gens que nous avons connus, à nos concessionnaires avec qui nous avons fait confiance, nous avons des gens exceptionnels. Donc aujourd'hui, nous avons le cocktail parfait
de la réussite qui est déjà ça se voit sur le marché, ça se voit dans nos rues, ça se voit parmi tes amis, parmi toi. Et je suis très 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 heureux de voir ce que tu as accompli aujourd'hui. Et également je vais saluer les autres agents qui sont là, parce qu'ils ont suivi ce que j'avais dit. Ça fait très longtemps que je vous pousse, je vous dis, vous avez la chance d'avoir des produits exceptionnels. Nous, c'est vrai, la centrale automobile chez on est bien, on a des bonnes ressources humaines qui vont avec les produits, mais nous avons des produits exceptionnels. Juste accompagnez-nous et vous allez voir, vous allez être très heureux. Aujourd'hui, vous avez un patrimoine exceptionnel, fabuleux. Également, et tous nos autres concessionnaires, nous, par où on va devoir demain. Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, nous avons creusé un fossé avec la concurrence. Aujourd'hui, tout le monde nous en dit, tout le monde nous pointe du doigt, parce que nous avons fait un super job. Et je suis très très heureux que toi, parce que ça a été très très difficile avec tout le monde. C'était des gros investissements, c'était pas facile à accepter. Je suis heureux que vous m'ayez suivi. Vous m'ayez suivi la centrale automobile chez Leclerc. Et je suis sûr qu'aujourd'hui vous allez être fiers de faire partie de cette famille. Et vos enfants vont être fiers également de ce que tu as accompli. Et tu vas voir qu'immédiatement il y a un effet automatique avec des choses pareilles. Vous avez fait la différence. Alors voilà, maintenant, la balle est dans notre camp à tous, nous n'avons plus qu'à suivre, et tu vas voir que ce n'est que le début. Merci. Merci à tous d'être ici, ça tient. Bon, on a fait un tango à deux qui a duré 8 ans. Alors, vous avez jamais un tango à deux et 8 ans? Mais je voudrais d'abord remercier Daniela. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour les chaînes. Je la remercie à ta place. Et vous les deux là, je vous ai à l'aide. Et je voudrais remercier aussi ton épouse Lisbeth. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être ici. Et j'espère que vous sentez que vous êtes entre de bonnes mains. Tout est transparent. Tout est apparent. On a tout le matériel qui est installé, que ce soit du SAV, de la pièce de rechange, tout est 100% aux normes. Et je pense que même on a dépassé un certain nombre de pays européens. C'est bien pour le CNES, c'est bien pour Chemise, c'est bien pour la CAC, c'est bien pour les clients. Voilà, ben c'est comme ça qu'on avance et merci beaucoup de lui faire confiance. Merci. Voilà.
accès des pollinaires. Nos présentations vont s'articuler autour de trois axes principaux. Nous allons commencer par l'histoire de Tizi depuis sa création. Viendra par la suite la qualité. Et en troisième lieu, nous allons évoquer le passage vers un village automobile en Fulci High. La société Tizi a été créée le 21 avril 1967 par Feu Aviette Chami. Cette année de Hindoulin fêtant 56 ans d'existence et nous sommes heureux de célébrer ces moments avec vous. Par la suite, en 1990, il y a eu la passation du pouvoir à M. Jawed Chami, s'il vous plaît votre attention. À M. Jawed Chami, avec une grande volonté de diversification, qui a fini par donner ses prix en 1995 à travers la diversification de l'activité avec notre partenaire exclusif, la CAC. Donc ensuite, en 2016, nous avons procédé à la restructuration des halls d'exposition de Tizi et nous avons également augmenté notre capital de 400%. On est passé de 1,8 million à 9 millions d'euros. Donc durant les trois dernières années, de 2020 à 2023, je suppose que nous avons tous, dans toutes les industries, on a vu des vertes et des pas mûres. Donc je vais essayer de vous résumer globalement tout ce que nous avons vécu. Donc on est passé par une période de Covid, suivie par des pertes de croissance, nous étions tous contents. Par la suite, on a eu la pénurie et ensuite l'inflation. Mais en tout cas, pour pouvoir passer, esquiver ce passage, Tizi, de toute manière, a su tirer son épingle du jeu et maintenir sa performance en dépit d'un marché automobile qui était baissier. Donc, comme vous voyez, en 2020, nous avons dépassé le cap de 5000 châssis vendus. En 2022, nous sommes passés à 6000. Et en 2023, bon là, pour moi, c'est la totale et il faut tout de même célébrer tout ça. Nous allons accueillir parmi nous la marque Seat qui va rejoindre le palmarès de nos marques. Enfin, après plusieurs années d'attente, bah, en tout cas, c'est avec un grand plaisir que nous allons entamer la commercialisation de ces nouvelles marques. Les chiffres du SAV de passer.
بان لك قبيله قلتي لي ما كاينش جيتي كتقلب قبيله ما كاينش لا الباب ما كاينش Un poste de pneumatique en plus, c'est un poste d'équilibrage par les lignes. Là où nous avons un point en plus au niveau d'innovation, c'est qu'on est les seuls à Meknes qui avons une carrosserie d'une telle qualité. Nous avons trois aires de préparation, une aire de redressage d'aluminium carbone et nous faisons aussi de la peinture pour le solvant et à l'eau, ce qui est beaucoup plus écologique et dont la qualité est bien meilleure. Voilà. Nous avons aussi une démarche qualité qui comprend une multitude de points de contrôle, ce qui nous permet de faire un suivi et au final, un SAV sur mesure pour ses clients. Donc je vous souhaite la bienvenue et vous êtes les bienvenus aussi pour visiter ce SAV. C'est une grande fierté pour nous de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je passe la parole à vous. D'abord, j'aimerais remercier certaines personnes qui sont les responsables du réseau, qui sont Imed, Mourad, Hicham et Reda. Ce sont des personnes qui se donnent à fond tous les jours pour nous aider, que ce soit de côté logistique ou justement pour nous débrouiller des problèmes, parce qu'on en a pas mal. Donc, moi, je suis venu vous parler de la digitalisation de Chizy. On a essayé au maximum de digitaliser tous nos comptes. Nous sommes aujourd'hui présents sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok aussi. Et je vais vous présenter un petit plan de communication qu'on a eu la chance de préparer sur trois vidéos. Donc, la première vidéo, vous allez remarquer que nous avons donné quelques parties de ce qui se passait pendant les travaux. La deuxième, nous avons fait une tournée avec Metz avec plus de 10 voitures. On a essayé de parcourir toute la ville et pour arriver finalement